J'ai fait l'acquisition de ce terrain en vue de construire un rez-de-chaussée, des garages, un petit atelier pour bricoler, une pièce pour recevoir. Au-dessus, au lieu de mettre un toit, j'ai voulu une terrasse, mais il s'avère qu'au fil des temps, l'eau a fait son œuvre, on ne peut pas l'empêcher, elle arrive à passer, tout ça, et puis on a pris la décision de on recouvre. Le choix des fenêtres, je voulais de la lumière. Donc on en a mis trois au nord-est, toutes ces îles vers le sud, et j'en ai mis quatre dans l'entrée, là, pour éclairer l'entrée. Non, je ne voulais pas de bois, parce que si c'est amené à être à l'humidité, ça peut jouer sur la fermeture, sur l'isolation de la fermeture et tout ça. Alors que là, je pense qu'il n'y aura jamais ce cas-là. Il y a deux grandes baies et deux petites de chaque côté parce qu'on était pris par la dimension. Comme le toit il est tombant, il ne pouvait pas s'écarter et mettre des trucs standards. Donc Roto s'est bien assimilé à l'espace qui nous était réservé pour mettre ces quatre fenêtres-là, vis-à-vis du toit qui était dispo. Je voulais assurer une longévité dans le travail et dans le bien-être. J'ai su faire la différence entre le bénéfice que je pouvais prendre sur une autre marque de fenêtre de toit et celle-ci. Ça me coûtait un peu plus cher, mais j'avais une assurance de bien-être à longue vue. C'est ce qui a fait la différence. Je suis tout Roto et puis j'en suis tout à fait satisfait. Je pense que j'ai fait le bon choix.